Bon, j'ai coupé ma vidéo parce que je croyais que ça filmait pas. En fait, ça filmait. Je veux dire, j'ai tout recommencé pour éviter le montage. Vous savez, entre vous et moi, on le sait. Donc, je vais répéter vite fait. Nous sommes le vendredi, je ne sais pas, peut-être 20, 20, 20, non, pas 28 mai. Enfin, dans des trucs-là, vous voyez? Et quoi donc aujourd'hui? Bah aujourd'hui, rien. Chéri, sa cheville, où il a fait une super grosse entorse, va un petit peu mieux, apparemment, grâce à l'orthèse que je lui ai achetée à la pharmacie, sur prescription médicale, bien entendu, hein, qui m'a coûté des sous, mais ça, la vie. Oui, bon, mutuelle, tout ça, on va pas parler ça, j'ai pas envie, ok? Merci. Oui, la CMU ou je sais pas trop quoi, j'ai fait la demande 50 fois, ça n'a jamais marché. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je n'ai pas envie de parler ça. Ça, ce sont des considérations économiques et financières. Bon, on va y parler ça. Ouais, je vous disais, j'ai forcé le maquillage des yeux, ce qui fait forcément ressortir très beaucoup, oui, c'est mon français quand j'ai envie. Donc, c'est moche. Enfin, en vrai, avec mes lunettes, ça se voit pas. Oui, je vous montre. Sincèrement, ça se voit moins. Mais bon, là, je sais que les reflets dans les lunettes. Aïe! Et voilà, un doigt dans l'œil. C'est pas agréable. Donc, mon œil va pleurer. Je dis donc, oui, donc nous sommes fin juillet et nous ne sommes pas sortis une seule fois voir le soleil de près. De tout le mois. D'abord parce que pour nous c'est compliqué. Chéri, dans la vie ordinaire, c'est compliqué. Il marche très mal. Il peut conduire, mais bon, faire juste des balades en voiture pour dire on est allé se balader, dépenser de l'essence, rentrer à la maison. Il y a un truc qui s'affiche qui me gonfle, là, je sais pas ce que c'est. Faut pas que je m'approche trop parce que vous allez avoir peur. Bon, pas exagérer non plus. Et je me suis perdue dans mes élucubrations. Vous connaissez, il y a celle d'Antoine et il y a les miennes. Bon, seuls les plus âgés comprendront. Antoine, c'est pas une référence pour tout le monde. Basta così. Je disais donc que, là, ce matin, le pied de chéri, enfin, la cheville et le pied ont l'air d'aller un petit peu mieux. On va donc tenter d'aller de l'appartement à la voiture. Bon, il y a un ascenseur. On est au premier, mais bon, il y a un ascenseur. Dieu merci, il ne pourrait pas descendre des escaliers. Excusez-moi, ma cheville à moi me brûle. Mes pieds dessous me brûlent, je ne sais pas pourquoi. Oui, pédicure, je le faisais d'habitude, 3 ou 4 fois par an. Ça aussi, on a restreint. C'est comme les ongles. Maintenant, je les fais moi-même. Oui, non, pas en semi-permanent, en normal, en basique. La preuve, j'ai fait une retouche sur celui-là. La retouche n'a pas tenu. De fait, j'ai dû faire quelque chose juste après. Pas grave. Il y a plus grave dans la vie. Je me suis perdue. Je parlais de chéri, puis j'ai arrêté après. Et on va passer à la vidéo. Oui, donc il a l'air d'aller un peu mieux. Enfin, son pied a l'air d'aller un peu mieux. Le moral, il est encore comme ci, comme ça, hein. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Par exemple, hier, j'ai dit, oh là là, on est déjà fin juillet, on n'en a même pas profité. Mais Florence, réfléchis 2 minutes à ça. Tu vas le culpabiliser. Chose qui a été faite dans l'instant. Bref, aujourd'hui, donc, on va essayer de descendre de la maison jusqu'à la voiture à l'aide de deux béquilles. Maintenant qu'il peut à peu près poser le pied par terre, il a trouvé des vieilles baskets dans lesquelles ses pieds sont bien maintenus et qui, a priori, peuvent l'aider à marcher. Mais alors, rien, quoi. Déjà avant, il avait un périmètre de marche hyper restreint, c'est-à-dire son périmètre de marche devait être de 100 mètres, vous voyez? Maintenant, il doit être de 20 mètres. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas aller se promener. Bon, moi, je peux aller me promener, sauf qu'au bout de 5 minutes, je suis épuisée, puisque je suis obligée, entre guillemets, de traîner
C'est quoi ce truc vert là? Bon, ça me rappelle. Ouais, bon, bref, voilà, on s'en fout. Je voulais, pardon, pour le micro, je voulais parler de ce t-shirt que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Hall qui habille avec 48% de lin, qui est d'un confort sans égal. Sauf que je l'ai mis un jour à la maison, parce que maintenant, même mes jolies choses, je les mets à la maison, puisque de toute façon, on va nulle part. Donc, tant pis, je porte mes belles choses et je prends le risque de les tacher. Sauf que là, j'ai taché le t-shirt avec du vernis à ongles que j'ai pas vu tout de suite. Donc le vernis à ongles a séché sur le t-shirt. Quand je m'en suis aperçu, j'ai cherché des astuces. Bref, aucune n'a marché. Hein? Voilà, rouille-moulu, rouille-moulu. Donc ce t-shirt qui est fichu, entre guillemets, je vais le garder pour la maison, mais comme je l'adore, je l'ai recommandé chez Kiabi. Donc, je l'ai là sur le lit. Bon, pas me montrer, c'est même que celui-là. Et bien entendu, celui-ci, le nouveau, restera dans le placard jusqu'à ce que. C'est-à-dire, il fera un aller-retour dehors, et dès que je reviens de quelque part, je l'enlève et je mets celui-ci à la place. Bon, plus dans ma commande, allez, j'ai commandé un petit haut. Est marqué Top Bohème. Bah dis donc, c'était fait pour moi. Pas cher, je crois, moins de 10 euros, je sais plus. Vous le verrez un jour sur moi. Hein? Je n'ai pas envie de tout sortir. Voilà. Tout ça pour dire rien, comment elle s'appelle? Comme dit Jenny, au pays de Jenny. Hein? Non, je ne vais pas faire de la pub, j'arrête de faire la pub pour les uns et les autres. Parce que personne ne me fait de pub. Massacosé. Pourquoi massacosé? On y va, on passe à la vidéo. Là, je me suis saoulée moi-même. Bougez pas. Coucou, me revois loup. Enfin, vous n'avez rien vu, hein? Non, non, ce n'est pas une coupe, c'est une pause. Alors, on commence le retour de course, j'allais dire. Pas du tout. Ça fait longtemps, j'en ai pas fait. Florence, c'était fini l'intro. Parce que tout simplement, maintenant, on fait des mini-courses que l'on fait livrer. Ouais, bah, depuis que Chéri a son problème, on fait tout livrer, même les drives. Enfin, finalement, ça marche super bien. Et je vous assure que ça peut sauver une vie. Alors, ça coûte combien? Entre, si tu fais un gros plein, zéro. Bon, nous, on ne fait pas un gros plein, parce qu'à quoi ça sert? Ça se gâche dans le frigo. Oui, je sais, il peut y avoir des avantages à acheter en gros, pas pour nous. On est deux, on n'a pas d'amis. On a une noire sur ma main, super. Faut que je m'essuie quelque part sur ma cuisse, parce que j'ai le t-shirt et un mini-short. Ouais, j'ai un mini-short. Oh, j'ose complètement. Faut à la maison. Mais tout à l'heure, je vais aller chez Buralis et je vais y aller avec mon mini-short et mon grand t-shirt. Attends, je vais descendre de la voiture, poser devant chez la Buralis. Je vais rentrer chez la Buralis. Interdiction d'acheter des livres, Florence, puisque ma charmante bibliothécaire m'en a livré à la maison. Oui, mais tu sais qu'il y a des trucs vachement bien. Bon, t'as fini la vieille là? Comment je faisais avant? Fin de l'intro, donc. Nous passons donc au spray terminé. Alors, on va aller vite. J'ai terminé un 500e shampoing sec. Oh, dis donc, shampoing sec de chez Clorane. Celui-ci, il était à l'avoine et céramide. 99% d'origine naturelle. Oui, ce shampoing cher est excessivement cher. Maintenant, il est à 13 euros pour 150 millilitres. Surtout que moi, ce shampoing sec, je l'utilise uniquement pour donner du volume à mes cheveux. Or, je me suis dit, peut-être ben quand même,
il serait judicieux de s'intéresser à des poudres texturisantes pour cheveux. Ça existe, pourquoi ne pas essayer? Hein, commande internet, tout ça, moi ça. Maintenant, on a tellement peur d'utiliser sa carte sur internet que moi, ça me traumatise un peu. Mon pauvre fille, bref. Bon, hein, remplacé par lui-même, bien entendu. Oui, j'en ai essayé d'autres, ça marche pas du tout. Et dans la même. Ah non, pas du tout. Enfin, je suis allée, j'ai fait deux pharmacies le jour où j'avais besoin de racheter du chlorane. Et il n'en avait plus. Ils étaient en rupture de stock de partout. J'ai appelé toutes les pharmacies autour de moi, et il y en a un paquet quand même, parce que ce sont plein de petites communes accolées à Lyon, si vous voulez. Je n'ai pas appelé Lyon, on ne va pas aller à Lyon acheter du shampoing sec. Et aïe! Mais ça sonne quand même, mais ça sonne pas creux. Bref, donc dans une pharmacie, ils m'ont dit, ben, Furterer a sorti des shampoings secs. Je me suis dit, ben écoute, donc je me suis laissé tenter, conseillé par la pharmacienne, enfin quelqu'un de la pharmacie, pharmacienne ou préparatrice en pharmacie, je sais pas. Mais c'est pas ma pharmacie habituelle. Hein. C'était une autre dans laquelle je vais de temps à autre. Moi, je n'aime pas spécialement, mais ça dépanne. Ils sont ouverts toute la journée, même entre midi et deux. Oui, je sais, on peut y aller à d'autres moments. Pas forcément, nous. Pauvres invalides que nous sommes. Oui, il y a pire que nous. Attention, il y a ceux qui sont morts. Hein? Bref, donc c'est le Naturia, shampoing sec invisible, à l'eau florale de lavande et huile de ricin bio. Pareil, 99% d'origine naturelle. Je ne l'ai pas aimé du tout. Vraiment pas. Alors c'est vrai que le chlorane a tendance à dessécher, enfin à assécher un peu les cheveux, mais celui-ci avec son huile de ricin a tendance, je trouve pour ma part, à le graisser un peu le cheveu. À le graisser un peu le cheveu. Florence s'arrête avec. Ça va faire rire Gargouille si tu passes par là. Hein? Mes problèmes avec l'orthographe, enfin mes problèmes, mes obsessions orthographiques. Bon, arrête, Florence, tu nous emmerdes. Bon, non, j'ai pas aimé. Je vous conseille pas. Enfin, ma boucle d'oreille, une de mes boucles d'oreilles est tombée. Je vais la ramasser. Oh, nom de Dieu, bougez pas, je reviens. Ah ouais, non, mais j'en ai marre de mes bêtises. Problème, je sais pas si ça fonctionne. Regardez, ça défile, ça doit marcher. Donc, pff, non, je vous le conseille pas. Voilà. À la limite, ça dépend ce pourquoi vous utilisez shampoing sec. Si vous l'utilisez pour sa vraie utilité de base, c'est-à-dire permettre de ne pas faire un shampoing tout de suite, peut-être qu'il vous conviendra. Mais alors, pas pour les cheveux déjà à tendance grasse, parce que pour moi, vous allez les graisser d'autant plus. Peut-être pour les cheveux justement à tendance sèche ou asséchée. Bref, peut-être. Mais dans mon cas, aucune utilité, je n'ai vraiment pas aimé. Le prix. Attendez, ça marche. Ouais, oh mon Dieu, j'espère que ça fonctionne. On continue, allez, on va croire que, on va dire que ça fonctionne. Ensuite, j'ai terminé, ça aussi vous connaissez, c'est mon déodorant Dove en spray. Alors, celui-ci, normalement, je prends le bouchon bleu. Rappelez-vous, j'avais fait un délire sur le bouchon dans une autre vidéo produit fini. Je prends toujours du Dove en déodorant. Je sais, il y a du sel d'aluminium dedans, je sais tout ça. Mais pour moi, c'est le seul qui fonctionne. J'en ai pas essayé 10 000. J'ai pas envie d'essayer d'autres trucs pour les jeter ou ne pas les finir. Si, en général, je finis. Même si je pue la mort pendant un moment. Puer la mort, ça veut dire quoi? D'où tu as senti des morts qui puent, toi? Nulle part. Que Dieu me préserve. Petite prière interne.
Donc j'avais pris, il n'y avait pas le mien, le basique, l'original en fait, il s'appelle l'original, il n'y avait pas. Bouchon bleu, je vous précise. Donc j'avais pris le powder soft, c'est tout ce que j'avais trouvé sur le drive cette fois-là. Parfum poudré, c'est vrai qu'il sentait super bon. Il sentait un petit peu la vanille, pas désagréable, mais un petit peu, sans point trop d'en faux, hein? Alors, zéro alcool, antitranspirant. Moi, je ne demande pas à ce qu'il soit antitranspirant. J'allais dire un truc. Je ne goûte pas de dessous les bras. Ah, moi, quand je transpire du crâne, où je peux goûter. Et du décolleté, je goûte du décolleté, mais je ne goûte pas de dessous les aisselles. Des aisselles. Bref, donc. Très sympa, mais beaucoup moins efficace que l'original que je dois avoir dans un tiroir. Rachèterai celui-là? Non, mais l'original, oui, et c'est déjà fait. Bougez pas, essayez de pas faire tomber le téléphone. Vous voyez une partie du bazar sur lui. Proche du secours, tu vois? Donc c'est celui-ci l'original. Bouchon bleu. Celui-là, il est génial. Ah ouais, vraiment, il est génial. Technologie hydratante triple action. Triple action, qu'est-ce qu'il fait donc? Tu le mets, tu voles? Pas du tout. Patented technology. New patented technology. Technology. Oh, celui-là, j'ai envie d'en mettre là-bas. En plus, là dans la chambre, il fait un peu frais. Bon, du coup, comme ça calait un plateau où j'ai mes pinceaux, tout est tombé dans le tiroir. Yes. On continue. J'ai terminé un tube. Je n'ai pas trouvé le nom d'origine, mais bon. Un tube. Ouais, ben, écoute, je n'arrive pas à le montrer dans sa condition normale. Un tube de. Il n'y a pas vraiment de nom. Glycérol, vaseline et paraffine des laboratoires Milan, qui est une crème pour les sécheresses cutanées et brûlures superficielles. Tube de 250 grammes. C'est le. On ne dit pas le dupe en pharmacie, on dit comment le. Vous savez, vous avez un médicament et vous avez le. Tout le monde m'a compris. Oui, vous allez le mettre en commentaire, je sais. Allez, faites-vous plaisir. Ça m'énerve. Bref, donc c'est la même chose que le. Mais non, pas misosyl, Florence. Mitolyl, c'était pour les fesses de ses enfants. Comment est-ce que je me souviens de ça? Mais des choses comme ça qui restent gravées dans une tête très fatiguée. Rigoler, rigoler, ça vous fait rigoler. Oui, ma tête, elle est fatiguée. C'est une crème fantastique. C'est une crème hydratante pour le corps. Mon pédicure podologue ne jure que par ça. Pour lui, il n'y a rien de mieux pour hydrater les pieds. Bon, et hydrater, de fait, réfléchissez, le corps, les mains, c'est une crème pour les mains magnifique, géniale. Pas facile à mettre dans son sac à main, je vous l'accorde. C'est génial. Racheté, je l'ai déjà, je le vois là-bas. Oui. Ah oui, de toute façon, j'en ai constamment chez moi. Fait partie de mes indispensables. Je mets tout dans la poubelle, sauf qu'il faudrait que je mette en barre d'infos. Vous savez très bien que je remplis jamais la barre d'infos. Ensuite, nous avons un petit tube de rien du tout, bien écrasé. Ouais, c'est un tube tout petit. Et avec quoi? J'en sais rien. C'est pas écrit, ça doit être écrit. Mais comme le tube est petit, l'écriture est d'autant plus petite. Je cherche. On voit quelque chose en bas là. 15 millilitres. C'est moi, j'ai plus salive, donc ça colle. Nicole. Pardon. Non, là, j'allais faire une aparté nulle qui risque de m'apporter de gros problèmes. Donc, non. Bref, j'ai. Un petit tube de crème
hydratante. Avec quoi là? La crème simple de chez M. Vous verrez certainement pas. De toute façon, ça sera à l'envers comme d'hab. Hein. J'ai beaucoup aimé cette crème légère, une crème laiteuse très légère qui pénètre hyper facilement. J'ai adoré et qui hydrate vraiment bien pour une petite crème comme ça qui te. Hein. Bon, les produits M, je les connais très peu. J'en ai utilisé un ou deux comme ça, parti par là, venu de je ne sais où. Celui-ci, je ne sais pas d'où il vient. Peut-être d'une copine dans un colis, je ne sais pas. J'ai dû le retrouver dans mes tiroirs. Mais excellent. Rachèterai? Pourquoi pas? Mais non, celle que je vais racheter pour l'été et celle que je vous conseille à 1000%. Je vous l'ai déjà présenté il y a quelques années, je ne sais pas combien de temps. C'est la crème de chez La Rosée, celle au concombre. Elle est géniale. C'est délicat, frais quand tu poses. Ça sent pas du tout le concombre, hein, non. Mais c'est d'une fraîcheur incroyable. Et alors, si vous la laissez au frigo et que le matin vous hydratez avec ça, c'est un bonheur. Vraiment. Et ça hydrate vraiment bien. Donc, note à moi-même, la racheter quand j'aurai terminé tout ce que j'ai. Avant, je m'interdis de racheter quelque chose. Mais pas les moyens. Et tu rachèterais, pourquoi pas. Remplacé par. En ce moment, je mets des sérums. Les crèmes donnent trop chaud, je mets des sérums. Là, on va finir avec les crèmes et tutti quanti. J'ai terminé un contour des yeux de chez Adopt qui s'appelle Repulp Action Baume Yeux 3 en 1. Ridule poche cerne sans intérêt, vraiment sans intérêt. Quand j'étais chez Adopt, j'avais dû acheter ça. Pas la dernière fois chez Adopt, ni l'avant, hein? Bien en arrière, bref. Non, je vous la conseille pas du tout. Enfin, si vous cherchez juste de l'hydratation, pourquoi pas? Mais c'est pas suffisant pour une peau mature, par exemple. Puis alors pour les poches, zéro pointé. Et moi, vous savez que c'est mon problème, hein? Je me regarde du coup, hein? Ouais. Non, tu brilles de mille feux. De mille feux, Florence. C'est abusé, là. Oh, hein? Mais c'est l'été. J'essaie de me convaincre moi-même. Je me parle à moi-même parce que je me vois là, dans un miroir, là en face dans le miroir ma coiffeuse, et là, quand je vous filme. Oui, parce que moi, je filme de mon côté, voyez? Ce qui permet de me parler à moi-même, donc c'est pour ça que vous me voyez les yeux dans les yeux. Avis à toutes celles qui filment avec un téléphone. Ne filmez pas en. Comment dirais-je? Comme si vous preniez une photo. Je ne sais pas comment l'exprimer. Filmez en inversé. Moi, je suis nulle. Bref. Parce que moi, je me parle à moi-même. Je me regarde donc dans les yeux. Ça fait très égocentrique. Ça me parle à moi-même. Mais au moins, je sais que vous, quand vous allez regarder la vidéo, dites-moi si je me trompe, mais normalement, je m'adresse à vous, les yeux dans les yeux. Rachèterai? Non. Et je vous la conseille pas du tout. Le prix, je m'en souviens pas. Et pour terminer avec les crèmes et tout ça, j'ai terminé le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique de chez Clémence et Vivien, que m'a offert mon ami qui me manque en vacances. Oh, dis donc, tu reviens bientôt, oh, nous dis-nous. Donc, Isabelle Caroline, vous la connaissez, tout le monde la connaît. Donc, c'est un flacon pont, donc extrêmement bien. C'est un sérum désaltérant, c'est le bon mot, parce que il est si. On est cherche le mot. N'ayez pas peur, je suis toujours là. Non, je n'ai pas fait un AVC. Oui. C'est un gel, voilà, on va dire ça comme ça. Un gel qui s'étale facilement et qui pénètre très facilement. Qui laisse peu. Qui est, au moment où tu l'étales,
Il est un peu collant, mais il rentre facilement dans la peau et juste derrière, tu peux faire ce que tu veux. Il est super bien et il est vraiment désaltérant. C'est-à-dire qu'il nourrit ta peau de l'intérieur, enfin, j'ai l'impression que ça donne, et tu as l'impression vraiment d'avoir donné à boire à ta peau. C'est important de donner à boire à sa peau. J'allais dire donner sa peau à boire. Bref, bon, vous avez compris. Rachèterai, pourquoi pas. Mais j'achète les choses par praticité, moi. Hein. Je ne sais pas où elle avait acheté, Isabelle Caroline, sûrement sur le net. Et j'ai terminé deux parfums, dont un que j'ai adoré, toujours grâce à Isabelle Caroline. La fois, nous avons fait une après-midi dans la galerie marchande de Carrefour, ce qui nous arrive très régulièrement. Parce que Chéri m'amène et Chéri vient me rechercher. Isa, elle est véhiculée par les TCL, c'est-à-dire les transports en commun lyonnais. Donc, elle, où que tu sois, elle se débrouille pour te rejoindre. Quand je vous dis que cette fille est formidable, c'est pas mon amie pour rien. Bon, j'ai terminé donc un parfum, une eau de parfum qui s'appelle Black Rose de chez PI, donc PI, Paris. Génial. Alors, où est-ce que nous avons acheté ça? Dans un stand, vous savez, qui est dans les allées principales des centres commerciaux. Donc, vous aviez deux parfums pour 20 euros, il me semble. Hein, c'est ça? Non, deux parfums pour 40 euros. Donc, Isa en a acheté deux, m'a demandé de choisir celui qui me plaisait. Elle me l'a offert. Moi, mon ami, ma puce. Tu rentres, illico presto, hein. Tu rentres à la maison et tu vas direct dans ta chambre. Non, mais ça veut dire quoi, ça? Ouais, délire complètement. Comment je retrouverai celui-là? Ben, en retournant là. Et comment j'ai choisi? Parce que la jeune femme qui tenait le stand, on va dire la vendeuse, était géniale, elle nous faisait essayer ce qu'on voulait. Bon, en même temps, si elle voulait vendre, elle n'avait pas le choix. Et moi, vous savez, tous les petits papiers d'essai là, je les entasse dans mes sacs. Quand je vous montre ça, ça sent le bonheur. Alors, donc, elle nous a demandé, ce sont des dupes, hein, plus ou moins. Je ne me rappelle pas de quoi c'était le dupe. Le dupe? Non, le dupe, frelance, frelance. C'est très sucré, très. Sucré, mais pas fruité. Sucré floral, léger et délicat. Tout bien pour l'été. Et c'est le dernier de mes produits finis. Incroyable, mais vrai. 28 minutes. Waouh. J'ai terminé un parfum de chez Adopt. Que j'avais acheté, donc pas la dernière fois, mais la fois avant ou avant, j'avais dû vous faire un haul certainement. C'est le Wonderful Eau de Parfum Pailleté de chez Adopt, 100 millilitres, qui était absolument génial. Il sentait très bon, comme tous les parfums Adopt. De toute façon, moi je suis adoptive. C'est bizarre, hein? Enfin, vous avez compris. Allez, mélange parfum. Mais moi j'aime bien. Je mélange souvent les parfums Adopt. Alors, puissant. Pour l'été, un peu trop puissant peut-être. S'adapte mieux à ce que moi je considère être un. Je suis pas maquillage été-hiver, parfum été-hiver. Moi je fais aux envies, à mes envies, pas aux envies des autres, hein. Mais bon. Pour moi, celui-ci est quand même trop puissant, un peu trop lourd pour l'été. Voilà. Mais un délice. Et puis alors, il y avait ce petit côté pailleté, mais avec légèreté, pas gras. Donc, c'est pas comme une crème Nuxe, que j'adore d'ailleurs, sur lequel vous êtes posé, le flacon sur lequel vous êtes posé. Arrête, Florence. Je brille là. Mais là, c'est ma crème que j'ai mise, la crème hydratante. Mal étalé. Regarde ça comme ça fait un truc blanc, c'est vilain. Bon, bref. Donc, oui, je vous le conseille. Il est formidable. De toute façon,
Vous m'entendrez toujours dire du bien des parfums d'Ops. J'avais dû tous vous les montrer, ce que j'avais acheté dernièrement, enfin, je sais plus. Adopt, moi je mets mes lunettes parce que ça me sent pas bien. Alors là, perdu. Oui, non, ça brille mille feux sur mon bronzage délicat. Le bronzage, alors ça. Ah bah tiens, téléconnexion. Dites-moi, je pense que ça ne concernera pas tout le monde, bien entendu. J'en connais au moins une que ça n'intéressera pas. Coucou, ma galinette. Si vous voulez une petite vidéo sur les auto-bronzants, n'hésitez pas à me dire, je peux vous faire une vidéo là-dessus. Assez conséquente, j'allais dire, non. Assez fine. Autant que moi, c'est dire, allez, les amis, je vous aime, je vous adore, passez un excellent week-end, de très bonnes vacances, si vous avez la chance, si vous avez la chance. Voilà, si vous avez la chance d'avoir ailleurs que chez vous, sauf si vous avez un jardin, voilà, les vacances, oh non Dieu, au moins les vacances chez toi, ça coûte moins cher. Et tu te mets sur ton drandat au milieu de ta piscine, gargouille, t'arrêtes et tu te reposes. Oui, des trucs comme ça. Oui, bon, allez, salut, j'arrête pas ça. Ciao, ciao, je vous aime. Super élégant. Là, on aurait dit un gros crapaud, on est d'accord.